Hey, ho yo minasan, c'est Gunjo et aujourd'hui on se retrouve sur du Fallout 4. Et ouais, donc voilà, c'est par rapport à l'épisode qui était avant le 172, comme il était depuis une heure, j'ai partagé le 2 en deux, on va dire, pour faire les épisodes. Donc voilà, donc là c'est la partie B2 entre guillemets, voilà, mais sera l'épisode 173, partie 19. Donc voilà, donc je souhaite un bon visionnage. Voilà. Ils sont cinglés dans ce coin ou quoi? Gueule! Voilà, meurs! Oh, c'est un flingue de fortune. Ferme ta gueule comme tu peux. Voilà. Peut-être ça se le désosser, ouais. Il fait mal! Merde, merde, ah, je suis tombé. Espèce de fou consanguin, manche. Voilà. Terminal. Donc c'est à rien. Hey. Oui. Voilà ce que j'ai. Ok, ça c'est fait. Il faut que j'écoule ma bouffe que j'ai sur moi là. Ça sera juste invisible. Oh merde, ça donne la vision nocturne. Ah, j'aurais dû les garder. Fuck. Oh fuck, qu'est-ce qu'il me reste?
Putain, je suis con. Complètement idiot. Mais merde. Ok, bon, j'ai fait de la cuisine entre temps, vite fait. Voilà. Quoi, 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 il nous reste encore? Voilà, fais dodo. Une grenade là qui fait très mal, là je lui envoie dans la tronche là. Voilà, ça c'est pas mal. T'es où? Je l'ai congelé plus voilà. Ah sérieux. On fait ça et après sera la fin de l'épisode, je pense. Faire là, qu'est-ce que tu veux faire? Allez, mange ça. Un cran d'arrêt, copie, youpi, youpi, j'adore! J'adore un cran d'arrêt! Ça, comment je récupère? Fais mes courses, t'as le droit. sérieux. Je crois qu'il faut remettre l'électricité, je crois que j'ai bien compris dans la quête. Remettre l'électricité. Comment je vais faire ça moi? De me taper toi. Sérieux?
je voudrais essayer ça quand même. Ça y est. Ah, ça roule, ok, d'accord. Deux. Ça rouille un peu en haut, hein. What? Ok, d'accord. Non, je m'amuse pas bien là. J'ai fait crever là avec ces conneries. Putain, il est où lui? Où il est dit là? Il est où le gros tas ennemi là de ghoul là? Ça fait que dalle. Ouais, pas ça. Ça. Ok, ça c'est fait. J'ai oublié que cette arme elle est vraiment puissante pour la nuit. C'est une super arme qui fait 12 dégâts. C'est un foutage de gueule. Et ça marche pas, ça attend brièvement. Ouais, lol. Dans les cartouches. Q, ouais. Là, voilà. Ouais. Deux. Il y a pas un atelier ici, rien que pour rigoler. Comment désosser un mutant? Bon, ça c'est oui, il faut y aller là. Sécuriser la série. Joli.
Je veux bien la sécuriser, mais je vois pas où en fait où on peut la sécuriser. Quoi, il faut tuer les ennemis, il faut faire quoi. Génial. Oh, si c'est que sécurisé, normalement. Reviens-toi à réussir le méchant. Merde. Ouais. Merde, je suis gavé lourd. Putain. Hey! Ah ben voilà. Tu vas te couper! Voilà! Merde. Mais putain, mais! Ah, mais. Ah, putain! Je tombe sous toutes les armes là! Voilà. OK, bon. Bon ben j'ai plus qu'à retourner là-bas hein, on va faire ça, fis ça. J'en ai deux quêtes et c'est la fin de la partie. Enfin de la game. Ok, allez, je suis retourné là, tac tac. La marinière du coup. La famille livre les armes. Rien de plus chiant que de couper des carapaces. La paye sera à la hauteur. J'ai trouvé des carapaces de fangeux. C'est enfin terminé. Tout ce qui peut être soudé, scotché ou collé à ce foutu quai est en place. Écoutez, je m'excuse de m'être énervée. Vous avez simplement fait preuve de compassion. J'ai pas l'habitude de parler de ce genre de choses. Toute l'île est sur le point de s'effondrer. C'est une vraie hécatombe. Si c'est pas le brouillard, c'est les crabes. Si c'est pas les crabes, c'est autre chose. Et moi, je passe mon temps à me demander combien de semaines il me reste. 3, 4, 2. Est-ce que vous souffrez ? Le toubib m'a filé des pilules pour traiter la plupart des symptômes. Mais j'ai du mal à tout faire. Je sens bien que j'ai pas la forme. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Profitez de chaque instant. N'en faites pas trop. C'est difficile. Il y avait tellement de choses qui me rendaient heureuse. Plus rien ne me donne le sourire. Je me rappelle des choses comme elles étaient avant. Avant d'entendre le verdict, j'étais à deux doigts de virer tout le monde de mes quais. Mais maintenant, je ne vois pas l'intérêt de défendre mes terres. Je suppose que je ferais mieux de les laisser venir. Et pendant ce temps-là, ils se prennent la tête pour des conneries qui tiennent pas debout. Ça leur viendrait même pas à l'idée de me filer un coup de main. Ils se rendent pas compte qu'ils perdent leur temps. Est-ce qu'il y a un moyen d'arranger les choses ? Je crois que je vais léguer mes terres à tout le monde. On a passé bien assez de temps isolés sur cette île. Si une terre appartenait à tous,
Peut-être qu'une vraie communauté pourrait se former, quitte à y traîner les gens de force. Quand les temps sont durs, tout le monde doit se serrer les coudes. Je pensais que le capitaine n'était qu'une idiote idéaliste. Mais maintenant que je vois les choses sous un nouvel angle, dès que j'ai fini d'installer les carapaces, je voudrais faire une dernière chose. Vous m'avez vraiment été d'une aide précieuse, si vous voulez rester jusqu'au bout. Bref, je dois m'y remettre. Ok. Ça, c'est fait. Vous avez vraiment fait la danse du capitaine. En plus, j'ai atteint niveau 68. Ok. J'ai sécurisé la Syrie. Allez! Il faut qu'on aille voir le capitaine. Voici votre salaire. Que vous le vouliez ou non, il y a de plus en plus de gens qui s'en vont. Mais maintenant qu'on a des terres à nous, ils vont revenir. Mes amis ont déjà passé le message. On va se refaire. Vous allez voir. J'ai tout ce qu'il vous faut. Ne laissez pas l'île vous prendre par surprise. Achetez mes armes. Allez voir Alain. Bertha. Pardon, madame. On n'a pas le temps de s'occuper de toi, petite. La Syrie des collègues est sans danger maintenant. On peut y retourner. Il faut vraiment qu'on en parle au capitaine ? On a besoin d'elle. On peut plus rester sur les quais, capitaine. Si vous voulez bien nous donner des condenseurs de brouillard d'Acadia, mes amis sont prêts à aller s'installer dans la Syrie. Il ne suffit pas de chasser le brouillard pour survivre, Bertha. Il faut qu'on reste ensemble. Mais ça marche pas. On n'arrive à rien ici. Les gens d'Arbor ont besoin de leur propre terre. Quelque chose à conserver et protéger. Je me suis trompé sur toi. Pardon ? Pas toi. Elle. Bertha connaît mieux cette île que toi, Avri. Si on leur donne des condenseurs, du matériel et une chance d'organiser leur défense, on survivra sans souci. On pourrait même prospérer, moi je dis. Ça pourrait vraiment marcher ? Je crois que oui. Et puis même si ça foire, c'est toujours mieux de mourir en défendant ces terres que de finir affamé sur un quai pourri. Donne-leur les condenseurs de brouillard, Avri. Si c'est ce qu'ils veulent, j'accepte. Mais tant qu'on n'aura pas réglé le problème des enfants d'atomes, coloniser l'île pourrait nous coûter très cher. Viens, Bertha. Vous devriez aller faire un tour du côté des collègues. Les amis de Bertha seront sûrement contents de vous voir. Et puis tenez, prenez ça. Vous commencez à m'impressionner sérieusement. Ok, bon. Bon, donc voilà. Donc maintenant, après, il ne sera plus qu'à parler à Ivry. Oh, je vais faire ça vite fait, voilà, ça y est. Avri. C'est difficile à croire, mais avant que vous n'arriviez, tout espoir semblait perdu. Et maintenant, nous avons repris nos foyers. Les gens se réunissent enfin. Et tout ça, grâce à vous. Vous m'accordez trop de mérite. Loin de là. Avec tout ce que vous avez fait, notamment la danse du capitaine, je vous assure qu'on se souviendra de vous pendant des générations. Les gens sont tellement obnubilés par leurs propres problèmes qu'ils n'ont même pas réalisé que vous nous avez sauvés. Vous nous avez tous sauvés. Quoi que je fasse, ce ne sera jamais suffisant pour vous remercier. Mais prenez ça. Et merci. Tenue de plongée. Hein, quoi ? Tenue de plongée de sécurité. Donne la capacité de respirer sous l'eau et protéger des radiations. Ok, d'accord. Ouais, super. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, donc utiliser avec... Chercher à détruire, ok, d'accord. Mais moi, perso, je vais faire ça. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Fallout 4. Je vous dis
à plus tard. Voilà, c'était Gunshow. Bye bye.